Shalom. Je vais encadrer une petite maison dans la prairie. J'ai trouvé, comme j'ai pas de glossy, je sais pas quoi. On m'avait offert quelque chose et l'emballage en plastique, il est très bien. Et je l'ai collé sur l'arrière. Ça fait comme. Je sais pas si vous voyez. Il doit être 21 h par là. Non, comme ça va le protéger. J'ai pas de vernicole, ou je sais plus comment on appelle ça. Pour faire une brillance et protéger. Donc j'ai mis ça en attendant. Et ça fait un effet. Il sera protégé. Il est chaud. Oh, je l'avais pas branché. Ah, il y a un petit bouton. Je pouvais attendre longtemps. C'était ça. Qu'il y avait dedans qu'on m'a offert. J'ai récupéré il y a. Partie arrière plastifiée, je la garde pour un autre. Et ça va être bien aussi pour quand je fais de la peinture, c'est assez du colle là, comme ça et derrière ça sera déjà tout joli à l'arrière du petit 4. Faut trouver des astuces, hein, le recyclage et tout et tout et tout. Voilà. C'est ça qu'il m'a dit, il a nettoyé le pied, il a mis un truc pour que ça glisse. D'accord. D'accord. Voit ce que c'est chaud. Et oui, quand je suis un peu plus en forme, même quand mon frère y vient, on va faire le petit tour de la digestion là. Même quand il fait nuit, on fait le petit tour à pied. On va jusqu'au hameau, on revient avec la lampe torche et vas-y. Avec toutes les horreurs que j'ai subies, vues, je peux vous assurer que j'ai plus peur. Alors, bien mettre ça. Bien le coller quand même. Sont bien régalées les poulettes, elles ont sauté dessus.
On en a planté sur le terrain. On espère que ça va prendre. Comme ça, j'en aurai sur place parce qu'elles aiment ça, les poulettes. Tu fais une potée au chou. C'est super bon. Voilà, un bout de carton, quand vous m'envoyez des colis dans des cartons, et ben je garde les cartons, je les jette pas. Hein. Vous voyez, ça sert. Là, comme ça dépasse. Je vais faire une petite coupe de coiffeur, comme on dit. Ça rate, et ben c'est pas grave, je recommencerai autrement hein, pour le cadre. C'est en trébuchant qu'on apprend, hein. Surtout qu'il faut se relever, faut pas rester à terre, faut se relever et continuer d'avancer. Un autre carton, j'espère que ce sera assez grand. On va faire avec. Merci pour votre bienveillance. Comme je dis pour les commentaires, c'est attention, j'ai la personne qui filme là, que vous voyez, a un cœur malade. Il faut faire attention à ce que vous écrivez, c'est dans ce sens-là. On ne connaît pas. Il faut être très prudent. Du discernement, c'est important aussi. Donc là, faut que je le mette pareil, sinon. Ça aurait été mieux de passer un produit qui fait vernis. Pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi si c'est vraiment du vernicole, que je ne me trompe pas le nom. Ça part vite la colle. Hein. Merci à toi Chantal, parce que dis donc. Alors. Comment c'est dans quel sens dans celui-là? Oui.
mélange là. Ça n'a pas tenu la colle. Les bâtons colle à bois, ça chauffe, ça cuit, ça colle bien le carton parce qu'il est épais. J'ai quand même pas utilisé non, c'est ça pour le carton parce qu'il est épais. Hein. Je vais voir alors. J'ai mis de la colle chaude. L'épaisseur du carton, qu'est-ce qu'il faut mettre comme colle pour que ça tienne les deux gros morceaux de carton? Ça n'a pas tenu avec la colle chaude. Ça tiendra avec celle-là. Hein. Je ne vais pas user comme ça les choses. Hein. Mais vous me direz si c'est avec ça qu'il fallait coller. J'espère. Bête là. Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Là, pour le bambou, je mets la colle chaude en espérant que ça va fonctionner. Hein. Reste là, s'il te plaît, t'en vas pas.
doigt. Après, j'ai vu dans la grange, il y a du vernis pour bois, pour extérieur. J'en mettrai peut-être dessus pour plus tard. Donc là, il est plus large que là. Ça veut dire qu'il faut que je coupe. D'accord. Je l'ai fait plus large. Voilà. Maintenant dans l'autre sens. Je regarde où il y a les nœuds. Il y a les nœuds, ça fait tordu après. Et oui, les bambous, ça a des nœuds. Le bon, hein. On va faire des bêtises. Là, ils ont encore l'espèce de, j'appelle ça la peau là, sur les tiges. Oh. Faut l'enlever ça. Quand même. Deux. Encore un. Quand j'ai tout petit, ça se coupe bien avec le ciseau. Tant mieux. Bon, allez, maintenant, je sais pas si vous voyez quelque chose. J'espère que oui.
un vieux ciseau qui coupe plus. Que je fasse le système de réessayer le système avec le papier aluminium. S'il veut pas, c'est qu'il veut pas. Hein. Rien y faire. On va faire en bas aussi. Pupus, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, mamie? J'avais envie de faire comme ça. Je cherche à comprendre. Évidemment, il faut que le bâton de colle il tombe. Ça mange beaucoup de colle. Oh là là, c'est un truc de fou. Hein. Façon de parler. Wow. Troisième. Ouf, ouf, ouf. Pas oublier que c'est de la colle chaude. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et en haut, pareil, faut que je fasse vite parce que ça sèche vite. Par contre, la colle chaude, c'est bien, c'est pratique, hein. Mais qu'est-ce que ça sèche vite? Là, j'aimerais bien que ça colle ensemble, ce serait impeccable. Si vous voulez bien tenir tous les deux. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas tenir. Non, on ne veut pas tenir. Bah dis donc toi, pourquoi tu veux pas tenir, hein? Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Derrière, hein. Je vais pas laisser comme ça. Non, 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 non. Pas mon kikiné, hein. Tu vas y aller. Hein. Oh, oui. Voilà. Et un autre là. Mais
Je mettrai quelque chose derrière, je ne vais pas laisser comme ça. Voilà. Voilà. Quand même. Là, ça va, là, ça va. Ça me plaît. Et j'ai envie de remettre par-dessus pour faire du volume. Un comme ça. Et sur chaque côté, ce serait impeccable. Quand il y a des nœuds, c'est souvent tordu. Ou alors je le fais plus petit. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Un coup de vernis qui est dans la grange. Je pense que ça ira si j'en mets pas beaucoup. Ça colle. Et puis là, avec la lumière jaune, oh, tous les fils sont venus se mettre sur le plastique. Je vais préparer ma ficelle. Vidéo nocturne. Si j'avais une lumière blanche, j'en ferais, hein, quand j'arrive pas à dormir vraiment. Hélas, hélas, je me réveille très tôt. Je me lève très tôt quand je peux. Là, c'est quand j'allais travailler, hein, j'avais des horaires de malade, comme on dit. Je me levais super tôt quand j'allais travailler à la maison de retraite à Fontainebleau. Je me levais, il faisait encore nuit. C'était 4 heures du matin. Le temps de tout ça, mais pas beaucoup de train. Après, il y avait un chemin à faire à pied. C'était compliqué, hein.
J'ai aimé travailler dans cette maison de retraite. Et ben, vous voyez, t'as beau être riche selon ce monde, hein, et ben, quand ça te frappe, ça regarde pas si t'es ouvrier ou si t'as un château, hein. Cette pauvre petite dame-là, qui avait un château, elle pouvait pas parler, mais elle comprenait. Je me souviendrai toujours de cette dame-là. Elle parlait avec ses yeux. Annie, on n'a pas le temps là. Allez, allez, allez. Pas le temps de discuter avec les malades. Oui, t'as raison. Toujours aller vite, aller vite, aller vite. Faire leur toilette, tout ça. Là, je fais une tresse. Ça fera plus joli. Si, ça fera plus joli, déjà. J'aurais pu la préparer à l'avance, mais c'était pas prévu. Voilà. Mamie Annie, elle est comme ça. On est tous différents. Même il y a un voisin que je vois très peu là. Quand il promène son chien, sa femme, elle fait nounou. Du moins, ça nous arrive des fois. Le chien, il a envie de sortir. Je prends la lampe torche, que même s'il est 1 h du matin, je suis pas rue. Fais le tour là, jusqu'ici, hop. 1,5 km à peu près. Voilà. Dans le 77, il fallait que je prenne l'air, et ben même en pleine nuit, hein, j'allais faire un tour. Ben, c'est évidemment, si tu vois qu'il y a des gens, faire attention avec les jeunes là, entre la drogue et l'alcool et tout le reste. Pas faire n'importe quoi non plus, mais puis avec tout ce que j'ai traversé comme horreur, je ne suis plus trouillarde. Enfin, j'ai par contre, je suis hypersensible, beaucoup même. Et mon cœur en est malade. Plusieurs fois frôlé un infarctus, rien que par des paroles. Hein. Ça peut me emballer mon cœur. C'est pour ça que quand je dis faites attention à ce que vous écrivez. Annie, c'est sur sa chaîne. Comme dit le Seigneur, le pouvoir de la langue. Écrire, c'est nos pensées, donc c'est pareil. Comme je sais qu'il y a les vipères, la race du serpent qui passe sur cette chaîne, ils sont partout. Ils se font passer pour des agneaux. C'est des loups déguisés en agneaux. Partout, vous les rencontrez. Peut même venir vous embêter dans dans votre sommeil. Hein? Si j'ai vécu avec un sataniste, renseignez-vous, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Pas des bêtises, hein. Il y a des choses que je dirais jamais. J'ai pas envie que des gens soient malades. Il faudrait qu'ils sachent dans quel monde on vit, ce qui se passe. Les tortures, les viols, les sacrifices de nouveau-nés, de bébés, d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de vieillards, même de morts, sur des cadavres. Oui, monsieur, dame, bienvenue dans ce monde. C'est pas le monde des bisounours. Certaines fêtes que beaucoup fêtent, il y a des sacrifices.
Renseignez-vous. Mais accrochez-vous, hein, parce que c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Ah, j'en ai vu du lourd, hein. J'en vois encore. Seigneur Jésus, vivement ton retour. Maranatha, Seigneur. Le prince de paix, quand il va revenir. Ça va être horrible pour ce monde, mais ça va être un jour de délivrance pour ceux qui seront encore sur terre. Il reviendra sur le mont des Oliviers. Il est parti sur le mont des Oliviers et reviendra de la même manière. Attention, il y aura l'Antéchrist avant. L'avenir n'est pas rose du tout. Je plains les petits-enfants, les tout-petits, dans quel monde ils vont grandir, ceux qui vont encore naître. Certains vont naître quand l'Antéchrist va régner complètement sur terre. Ça va être l'horreur de comme jamais depuis que l'humanité est née. Maison dans la prairie. J'aime beaucoup cette série, sauf qu'il y a des épisodes que je ne regarderai pas, que c'est pas bon du tout. Faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Le Seigneur voit tout. Oh oui, il voit tout, il sait tout. Donc je pense que ça ira, je ne vais pas la faire trop longue, voilà. Faire une petite boucle au bout. Et ici c'est Faune et Flore Berry, donc je dis ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je dis attention aux commentaires. Commentez sur ce que je fais. Je dois parler, je parle. Sinon, je bloque. Oh, plus me rendre malade, c'est fini. C'est bon. Alors, ce jour-là, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Hop. Comme j'ai pas de peine, je fais avec mon ongle. C'est pareil. Voilà. Tu fais ça avec une brosse ou avec un peigne. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je vois rien du tout. J'avais dit que. Vous voyez, même quand vous m'envoyez les colis du cœur. Les emballages, j'avais dit, je m'en servirai. Et bien, voilà, j'ai trouvé. Je le trouve joli. Et il me convient. Donc, à peu près. T'es où, toi? Viens là. Hop. Même si c'est l'arrière, mais quand même.
peut pas laisser comme ça. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et je te vois plus. Que je te voie quand même. Hein? Bah oui. Non, c'est là. Comme ça. Hop. Après, je vais prendre le traitement médicament. Les emballages ils servent. Annie, elle ne jette pas comme ça. Voilà. Annie adore pas. Petite mamie pupus. Alors, je vois qu'elle prend un coup de vieux. Ça fait penser à Gribouille. Le chat du voisin qu'on avait. Pour le petit gribouille aussi. Chaud. Voilà. Je me détends. Donc je regarde pas le temps que je mets. Sinon ça va me stresser. Et c'est pas le but, hein. Sinon c'est pas la peine. Hein. J'arrête tout et basta, comme on dit. C'est pas mon langage, excusez-moi. La façon dont les gens y parlent, ça. Et basta. Je parle pas comme ça. Voilà. Petite coupe là. Voilà. Maintenant, en tous les fils là, je vais coller la petite corde. Mais on la verra pas. J'ai envie qu'on la voie, moi. Bon, c'est pas grave. Donc je fais comme ça. J'espère que je cadre. Parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Si je faisais comme ça, ça ferait pas mal. Ah oui. Pourquoi pas. J'aime bien. Ah oui, j'aime beaucoup, tiens. Oui, j'aime beaucoup comme ça. Faut que ça colle. Voilà. Pour couper, pour égaliser les bouts. Regardez le vernis là, j'ai vu le pot de vernis, c'est pour bois extérieur. Je en mets une légère petite couche sur le bambou, comme ça, ça va le figer aussi, ça abîmera pas dans le temps et la poussière et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais faire ça.
Ah, j'aime bien, franchement. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah, t'as les deux petits. Les deux petits bouts de la corde avec les froufrous, là, les bouts de ficelle qui ressortent. Je sais pas si vous voyez quelque chose, excusez-moi. Cadrer, moi. Hein. Oh là, le trépied. Voilà. Je sais pas si vous voyez les deux bouts de ficelle qui dépassent. Voilà, j'ai le petit cadre que je voulais faire. Et ben, il est fait. Je vous fais plein de gros bisous. Encore merci d'être là. Merci pour votre bienveillance, prenez soin de vous et prenez courage pour ce qui s'en vient. De ce monde de plus en plus déshumanisé qui va se déshumaniser. Leur agenda 2030, c'est moche. Ça a déjà commencé, mais c'est moche. Sur ce joli petit cadre que j'ai fait en bambou, la petite maison dans la prairie, je vous dis à bientôt. Peut-être à demain si je suis encore là. Personne ne sait. Et ça tient bien, hein? Shalom.